Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning en ce nouveau samedi de Vingrenier Live. C'est la rentrée à des Vingreniers, donc voilà. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. Donc voilà, envie de vous revoir sur cette chaîne, enfin, ce mois de septembre. Donc on va voir ce qu'on peut trouver, c'est parti, go, on y va. Là où est votre café de glace? Il est là le chargeur. Oui, je sais, mais il est là. Ok. C'est combien tu les fais? 10 euros la pièce. 4 euros la pièce. Comment? Cher aujourd'hui. Bof. Plus ou moins. Ouais, ouais. Bon, c'est le qui touche paye. Salut, ça va? C'est le qui touche paye. Ah oui. Bon, ça va. Bon, vas-y, c'est combien alors? Ah, ça dit pas. Donc voilà, nous sommes de retour. On va faire le compte rendu de ce petit Vingrenier que j'ai trouvé. Voilà, c'est parti, on y va. Donc voilà, on va faire le compte rendu de ce Vingrenier Live que j'ai fait aujourd'hui, ce samedi. Donc j'ai trouvé des petites moyennes trouvailles, hein. Enfin pas grand chose. J'ai pas trouvé grand chose qui me plaisait non plus dans une Vingrenier Live, après avoir fait le tour. Donc voilà, donc. Dès que je suis arrivé, j'ai pu trouver une console Wii noire à 5 euros. Donc voilà, je l'ai eu à 5 euros. Et il y a un CD dedans, une surprise du chef, on va voir ce que c'est. Je vais tourner un champ pour voir. Donc voilà. Ensuite, j'ai pu trouver un jeu PS4. Il me le faisait à 5 euros. Je dis, est-ce que tu peux me le faire à 4? Mais oui, pourquoi pas. Donc, j'ai trouvé le Seigneur des Anneaux à l'ombre du Mordor. Donc ce jeu-là a l'air d'être bien, j'ai un peu regardé le gameplay. Je vais voir si je vais le garder. Donc voilà. Et à l'intérieur, il y a une petite surprise du chef. Regardez. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Donc j'ai eu ça pour 4 euros. Donc on va dire 2 euros chacun. Donc voilà, c'est toujours bénef. Donc ce jeu-là, je l'ai déjà en double. Donc voilà. Ensuite. J'ai pu trouver la boîte vide de jeu que j'ai déjà en loose sur Wii. J'ai nommé Ghost Squad. Donc, je dis, est-ce que vous voulez me donner la boîte? Donc, il m'a donné. Hein. Donc, bon, voilà. Sur un autre stand. Hein. Ensuite, sur un autre stand, il y avait quelqu'un qui vendait une DS avec des jeux. Il vendait 5 euros le lot, mais bon, la DS à charnière était cassée. Et dans le lot, il y avait un jeu de Game Boy Advance. Donc, je me suis dit, tiens, ce serait bien si je pouvais l'avoir pour ma collection, parce que je n'ai pas un jeu de cette licence-là. Je pense pas que j'en ai un. Donc, j'ai pris The Sims Bursting Out. Donc, voilà. Donc, j'ai eu pour 1,50€. Ravi d'avoir fait entrer. Il voulait me faire à 2, mais bon, 1,50€, c'est ce que j'avais.
Et puis, j'ai pu prendre une prise britannique. Ça me sera utile. Parce que bon, ça est la troisième que je trouve, hein. Donc, à 1 €, donc voilà. C'est utile quand je fais quand on fait des voyages découvertes. Alors, ça va, je suis un grand voyageur, donc voilà. Et puis, pour finir, pour une amie et collègue à qui j'avais donné un DVD, donc j'ai pu prendre une télécommande pour elle, Sony, quand j'ai eu 1 €, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ces mini trouvailles de Vin Grenier. La vidéo, elle sera courte. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous dis, on va se retrouver prochainement. J'aurai une grande annonce à vous faire à l'avenir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à vous de passer un bon week-end. Et également, bonne soirée ou une bonne journée, quelque soit l'heure que vous regardez cette vidéo là. Sur ce, à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien, allez, salut.